Merci, Hunter. Comme quoi, Tony sait parfois se rendre utile. Une petite seconde. C'est bon, j'ai cru. Mais je t'en prie. Ce truc derrière moi se change en portail géant vers l'Égypte antique, je démissionne. À plus. Tiens, salut. Vos manœuvres aériennes sont incroyables. Si vous me trouvez cool, remerciez ceux qui m'ont appris à me battre. Bon, ça ressemble enfin à quelque chose. Salut, Hunter. Le central va déchiffrer le code. Vous voulez pleurer un bon coup? Nous sommes prêts à intervenir. Service d'amis pour un prix d'amis. À bientôt. Quoi de neuf, Hunter? J'ai quelque chose pour toi. Une nouvelle caméra HD? Des composants pour l'atelier. Ok, ça revient un peu au même, j'imagine. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'imagine que je pourrais t'apprendre deux, trois trucs. Salut. Sache que je comprends ce que tu traverses. Affronter sa propre mère, c'est pas facile. Lilith a choisi sa voie, et moi la mienne. Mais je ne serai pas là, à lutter pour sauver ce monde, sans les pouvoirs qu'elle m'a transmis. Je te comprends. Un buveur de sang a mordu ma mère pendant qu'elle accouchait. Ça m'a donné les pouvoirs d'un vampire, sans leur faiblesse. Et tu t'en es servi pour les traquer. Exactement. N'empêche que ça n'a pas facilité nos retrouvailles des années plus tard, alors qu'elle était devenue vampire. Mais tu as quand même utilisé tes pouvoirs pour rendre la justice. Ouais, il le fallait. Ce que je veux dire, c'est qu'on va tous en baver pour affronter Lilith. Mais pour toi, ce sera l'enfer. Je veux que tu saches à quoi t'en tenir quand l'heure viendra. Je serai prête.
Salut Hunter. Comme si les habitants de New York n'avaient pas assez de soucis, on nous signale une activité d'Hydra dans les 5 arrondissements de la ville. Commençons par l'endroit où la concentration est la plus forte, et nous aviserons ensuite. Les hommes d'Hydra sont en train de semer la pagaille. Débarrassons-nous d'eux. Je peux m'en occuper. La chair à canon arrive. Tout le monde est prêt? Votre heure a sonné. Comme au bon vieux temps. J'espère qu'Hydra a une bonne assurance. Vous n'auriez pas dû. Les merveilles de la technologie moderne. Mon poing contre votre visage. C'est votre dernière chance. On va se marrer. Aucun ennemi ne peut égaler une force pareille. On a réussi. Beau travail. Pourquoi j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on détruit un site, il y en a toujours deux autres pour le remplacer. Patience. Hydra n'a pas choisi ce nom pour rien. J'ai déjà chassé une Hydra. C'était plus facile. Plus facile que ça. Moi aussi, je porte bien mon nom. Crossbones offre une coquette somme pour ta tête. Moustique, dommage qu'il n'ait pas précisé dans quel état elle devait être. Enfin, dommage pour toi. Tu parles trop. Pour un homme mort. Mais je te donne raison sur un point, Dent de Sabre. Quelqu'un va repartir d'ici sans sa tête. Oh, regardez, un autre chien errant. Tu sens bizarre. Pire que lui. T'as pas tort. Maintenant, je vais pouvoir faire d'une griffe deux coups. Peut-être que je devrais payer Hydra. Occupez-vous de cette grosse brute avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Qui c'est que tu traites de grosse brute? T'as très bien entendu, Creed. Je parie que ça faisait mal.
L'avantage est de mon côté. Bientôt qui tourne. Lorsque j'en aurai fini ici, je visiterai peut-être votre petit château. Ok, vous avez mon attention, là. L'odeur de la mort lui colle au train. Celle de tous les innocents qui ont souffert entre ses mains. Hail Hydra, hein? On aimerait bien en avoir un peu, nous aussi. Ça va faire mal. J'espère que vous êtes prêts. Vous pensez que ça fait mal ? Dommage que vous ayez choisi de gâcher vos talents à traquer le plus offrant. Vous n'aviez pas à en arriver là. Allez, j'écoute. Je vais vous en percer un. T'as confié le commandement, sérieux. –
À moi de jouer. Tu peux rien. Vous n'étiez pas de taille pour ce combat. Contemplez les bienfaits de la lumière. Une aide fortuite. On dirait qu'ils ont appelé à l'aide. Wolverine est peut-être un peu drôle, mais au moins, il a rien d'un tueur sans pitié. C'est trop gentil. On devrait tenter ça plus souvent. Il en a l'air. Vous allez devoir faire mieux que ça. Votre mère vous abandonne. C'est terminé. On dirait que tu m'as eu, moustique. Vas-y, mais fais ça vite. Qu'est-ce que tu fous? Vas-y! La chasse, c'est pas vraiment ton truc. Tu serais pile à ta place avec Logan et la clique d'animaux de compagnie de Xavier. Maintenant, tu bouges plus, moustique. Ça va faire très mal. Joli tour. Je suppose qu'il ne s'attendait pas à ce que ton collier rende les coups. Ça aussi, il va en guérir? J'en sais rien. Mais je vais tout faire pour qu'il y reste. Ouais. Et sinon, ravi de t'avoir connu. Fera l'affaire.
Il semblerait que vous soyez tombé sur deux invités surprises. Ces deux sauvages qui ont surgi de nulle part. C'était qui ? Victor Creed et James Logan Howlett. Mais je suis sûre qu'ils préfèrent qu'on les appelle par leur pseudonyme. Dents de Sabre et Wolverine. Ces deux-là s'affrontent depuis des décennies. Wolverine ? C'est un loup-garou ? Je ne l'ai pourtant pas ressenti. Parce qu'ils sont des mutants. Comme moi. Comment ça, comme toi ? C'est pas pour autant que je vais me mettre à hurler à la lune, Hunter. Ça nous affecte tous de différentes façons. Il y a certaines choses avec lesquelles tu vas devoir te familiariser dans notre monde post-atomique, Hunter. Les mutants en font partie. Une bénédiction ou une malédiction ? Ça dépend des points de vue. Je peux t'en apprendre davantage si t'y tiens vraiment. En attendant, je dois me renseigner sur ce qui s'est passé à New York. Wolverine est un homme honorable, même s'il est un peu brutal sur les bords. Dent de Sabre, en revanche, est un fou sanguinaire. Le fait que tu sois dans sa ligne de mire n'est pas une bonne nouvelle. Attends, tu connais Logan ? Comment crois-tu que j'ai entendu parler de toi ? Vous n'avez pas idée du nombre de gens qui se sont débrouillés pour entrer dans ces bois au fil du temps. Et en général, ils ne viennent pas qu'une fois. Nous serons sûrement amenés à les revoir. Merveilleux. Avec Logan, on se connaît pas plus que ça, tu sais. C'est plus l'ami de mon frère, Piotr. Comme je l'ai déjà dit, on est tous des mutants. Sans vouloir te faire flipper, hein. Sois tranquille. Je n'ai aucune raison de flipper. Tu n'as pas l'air bien menaçante. C'est parce que tu m'as jamais vue quand je suis de mauvais poil. Alors, toi et ces autres mutants, vous vous êtes tous connus en Russie, c'est ça ? Pas du tout. On fait tous partie des X-Men. Enfin, plus maintenant, mais je suppose que quand on devient un X-Man, c'est pour la vie. Comme chez les Midnight Suns. C'est pas faux. Et ce Dent de Sabre, c'est un mutant lui aussi. Il fait donc partie des X-Men ? Il a rien d'un X-Man. Wolverine et lui se chamaillent depuis un bail. Va savoir comment tout ça a commencé. Je parie que même eux l'ont oublié. Il nous traque depuis un bout de temps. C'est sa présence que j'ai sentie sur les quais. Tu crois vraiment que c'était lui et pas autre chose ? Fais-moi confiance. À notre prochaine rencontre, je ne lui laisserai aucune chance. En temps normal, je t'aurais dit tu rêves, mais j'ai vu tes techniques. Si quelqu'un peut botter les fesses de Dent de Sabre, c'est bien toi. Merci pour les explications. On dirait qu'il me reste beaucoup à apprendre. C'est normal, la société des mutants n'est pas grande, mais très complexe. Mais la seule chose que tu dois savoir, c'est que Dent de Sabre craint un Max. Le fait que Dent de Sabre soit mêlé à toute cette histoire n'arrange rien. J'espère que Logan pourra le neutraliser rapidement, avant qu'il ne fasse trop de ravages. À quel point as-tu confiance en ce Logan ? Il a toute ma confiance. Il est un peu susceptible, mais fiable. Tu es sûr qu'il est si fiable que ça ? Je confierai ma vie à Logan, tout comme à toi. Ce n'est pas rien, surtout venant de toi. Je suis surprise que tu ne m'aies jamais parlé de lui. Logan est quelqu'un de bien, mais il suit sa propre voie. Après tout ça, je doute de le croiser à nouveau avant plusieurs décennies. Je suppose qu'il ne nous reste plus qu'à attendre. Mais quelque chose me dit que nous recroiserons Logan et Dent de Sabre. Oui, je pense aussi. T'as dû glisser. Je m'hydrate. Le sang est surtout composé d'eau. On a mis la barre haute, et l'objectif est atteint. Tout va bien ? Ça,
message, rejoins-moi au central dès que possible. C'est bizarre. Vous revoilà, Docteur Banner. Je suis désolé, Hunter. Qu'est-ce que tu dois penser de moi? Mais me revoilà. Si on ne peut pas vous joindre, vous ne nous êtes d'aucune aide. On doit pouvoir compter sur vous. Je comprends tout à fait et je suis désolé de vous avoir causé du souci. J'ai été coupé par un pic de rayon gamma qui a déchiré le spectre électromagnétique. Il ne fait pas bon être une tour téléphonique à Manhattan de nos jours. Mais ne t'inquiète pas, j'ai résolu le problème. Il n'y aura plus de coupure de courant, c'est promis. Je suis plus inquiet des effets secondaires que ces rayons gamma pourraient avoir causés. C'est pour ça que j'aimerais te soumettre à un scan corporel pour voir si les variations énergétiques ont altéré ton organisme. Si vous pensez que cela peut vous aider dans vos recherches... Ça m'aiderait beaucoup, en effet. Avec un peu de chance, je trouverai un moyen de neutraliser les variations de gamma. Ne bouge surtout pas. Ça n'est pas douloureux. Et voilà, c'est terminé. Il ne me reste plus qu'à analyser le scan et le tour est joué. Merci, Hunter. C'est ça qu'il fallait absolument que je voie. Un champignon. Fascinant, n'est-ce pas? L'une des espèces les plus rares que j'ai jamais vues. D'après Carol, cette forêt abrite des champignons qu'on pensait disparus depuis des décennies. Et tu vois cet arbre là-bas? Je crois qu'il vient de me faire un clin d'œil. Je ne savais pas que vous étiez passionné par la nature, Tony. Oh, pas du tout. J'y suis même allergique. C'est juste que j'ai trop peur d'entrer. Tony... Je sais, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je veux dire, regarde-nous. La première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai bien cru que tu allais engloutir mon âme. Et aujourd'hui, on s'entend comme larron en foire. Ça reste entre nous. Mais la première fois que j'ai croisé une demoiselle d'effroi, j'étais terrorisée. Vraiment? J'arrive pas à le croire. Et comment tu as fait pour surmonter ta peur? Je l'ai décapitée. J'aurais dû m'en douter. Il doit sûrement y avoir une leçon à retenir. Et elle va hanter mes nuits. Bon, on ferait mieux de rejoindre notre bonne vieille abbaye avant que Caretaker ne lâche les chiens de l'enfer sur nous. Enfin, le chien. Vous êtes sûr? On peut rester un peu, si... Non, c'est bon. Ça va même beaucoup mieux, grâce à toi. Et puis, tu te souviens de l'arbre qui m'a fait un clin d'œil tout à l'heure? Je crois qu'il se rapproche. T'as dû glisser. Hey, je peux te demander un service? Merci, Hunter. Et voilà ma Charlie, la plus féroce. Je suis plutôt satisfait du résultat. Qu'est-ce que tu m'as trouvé, chef? T'as gardé ce truc sur toi combien de temps? Probablement rien. Ça te donnera un avantage certain.
À plus. C'est quand tu veux. Je reste convaincu qu'on aurait dû commencer. Un petit entraînement ? Très bien. Ah, regardez-moi cette carte. On reçoit des demandes de renfort du monde entier. Hydra reste fidèle à la créature à neuf têtes dont elle porte le nom. Ses agents sont actifs à New York, Paris, Moscou, Singapour, Los Angeles. La liste n'en finit pas de s'allonger. Ils nous ont pris au dépourvu. On va les rappeler à l'ordre. Et comment, Tony ? Les forces des Avengers sont déjà assez dispersées. Pour le moment. On a repris contact avec Banner et puis on a toujours la tour. Et c'est censé nous rassurer ? On pensait que le Saint des Saints ne craignait rien et pourtant nous l'avons perdu. Désolé, Steven, mais ta petite bibliothèque métaphysique n'a rien à voir avec ma tour militarisée de pointe. Elle leur résistera. Tony, tout ce qui leur résistera, c'est ton ego. Dit le sorcier qui se prétend suprême. Vous n'avez pas bientôt fini. Pendant qu'on est occupé à s'enguirlander, Hydra en profite pour nous botter d'accord, le cul. D'accord, dans ce cas, arrêtons de nous chamailler et allons bouffer de... Ouais, non. Faisons la paix plutôt. Sous mon masque se cache un regard de profonde satisfaction. Naturellement. Bon, ça ressemble enfin à quelque chose. Que diriez-vous d'un... Quelles sont les dernières infos ? Ce sont des infos faciles. Qui envoyons-nous en opération ? C'était une conversation plutôt mouvementée entre Caretaker, le docteur et vous. Que veux-tu ? Je me battrai toujours pour que la confiance règne. Hydra est peut-être sur la pente ascendante, mais celle-ci ne le mènera pas au sommet de la tour. J'espère que vous avez raison, mais je doute que Lilith se sente menacée par les technologies modernes. On va lui montrer à quel point elle se trompe. C'est nous qui faisons la loi ici, et on ne va pas se laisser faire. Au moins, j'ai repris contact avec Banner. C'est une bonne nouvelle. La tour ne me préoccupait pas vraiment, mais sa santé mentale, si. Et s'il tient le coup, alors nous aussi. J'aurais aimé que nous nous comportions comme des adultes civilisés. Malheureusement, Tony a le don pour me mettre hors de moi. J'ai bien vu. Non mais quelle toupet ! Il a osé dire que le Saint des Saints était inférieur à la tour en titane de Tony. Vous vous rendez compte ? La technologie moderne est impuissante face au mal ancestral qui nous menace. Notre survie repose sur la magie du Saint des Saints. Nous devons le récupérer. Notre victoire en dépend. Cela fait plaisir à entendre. Je savais que vous apprécieriez le Saint des Saints à sa juste valeur. En effet, nous devons absolument le récupérer. À quel point êtes-vous en froid tous les deux ? Vous ne pensez pas que ça pourrait nous causer du tort ? Ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas souvent d'accord, mais s'il y a bien une chose qui nous unit, Tony et moi, c'est notre désir de vaincre Lilith. Même si nos méthodes sont opposées. Il nous arrive de nous comporter comme des adultes, vous savez. Enfin, surtout moi. C'est toujours un plaisir, Hunter. Pour
croyez qu'ils se disputent aussi du côté d'Hydra? Si vous cherchiez une autre occasion de régler vos comptes avec Hydra, je crois que ces guignols sont prêts à en découdre. Reçu 5 sur 5. C'est cadeau. Dans les dents.
pas mal. Prends ça! C'est donc ça le secret. J'en ai encore beaucoup sous le pied. Tu vas le regretter. J'espère que vous êtes au mieux de votre forme, parce que vous allez devoir éliminer l'un des déchus. Dommage que tu doives rencontrer ma nouvelle équipe dans de telles circonstances, Eddie. En charge. C'est reparti! Elle est pour toi, celle-là! C'était surprenant. C'est pas trop tôt. Je pète la forme. D'autres. Il a vraiment pas une gueule de pas de bonheur. J'ai quelques comptes à régler.
pas le poids. Joli. Je m'en charge. La prochaine fois, je serai moins sympa. Spider-Man est vraiment un amour. À part lui, je vois pas qui supporterait d'être harcelé par ce truc. Ça va chauffer! Tu sais peut-être pas voler, mais tu n'as rien à m'envier. Pas de problème. Je pense qu'ils vont pas s'en remettre. Si tu voulais un câlin, suffisait de demander. C'est vraiment dégoûtant. Ça ne leur a pas suffi, on dirait. Bon, je comptais pas faire de commentaires, mais c'est quoi cette odeur? C'est comme si les égouts avaient débordé. Et oh, j'ai rien dit. Laissez-moi vous donner un coup de main. La douleur nous contrarie. Espérons qu'on n'aura pas à remettre ça. Pas le temps de lécher nos plaies. On a fait le plus dur là, non? Quelle leçon tirer de tout ça? Je doute qu'ils retiennent la leçon, mais on peut toujours rêver.
Tu préfères combattre 5 mini Deadpool ou une version géante de moi? Salut Hunter. Ça t'arrive de te sentir... pas à ta place? Comment ça? Je veux dire, on vit avec les Avengers. Et alors? Et alors? Bah moi, j'arrête les voleurs à l'arraché et les braqueurs de banque. Eux, ils ont tous sauvé le monde genre 5 fois, chacun. Minimum. À ce qu'on m'a dit, New York a beaucoup de chance de t'avoir. Peut-être, mais c'est le monde tout entier qui a beaucoup de chance d'avoir les Avengers. Ils ont tous commencé quelque part. Toi, c'est dans le Queens. Et aujourd'hui, tu t'apprêtes à sauver le monde. T'as peut-être raison. Merci. Il fallait vraiment que je vide mon sac. Pas de problème. Trop hâte.